Et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. Et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra que qu'en vouloir à lui-même. Mais alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment. Et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom, prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, ce